Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours d'Halloween et nous allons vous montrer ce que nous pouvons trouver lié à Halloween sur le campus de Toronto, à la faculté de Toronto, et bien d'autres choses. Donc, allons-y. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des toiles d'araignées. Peut-on voir des araignées ? Oui, nous pouvons voir des araignées. Il y a une, deux araignées ici et bien d'autres araignées ici et là-bas. C'est logique car s'il y a des toiles d'araignées, il doit y avoir des araignées aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est un grand arbre. J'ai très envie de grimper à l'arbre. Cependant, je ne peux pas car je tiens le micro. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lampadaire. Le lampadaire ne produit pas de lumière, car nous sommes en journée. Le lampadaire n'éclaire pas. De même que ce lampadaire, cette lanterne ici n'éclaire pas. Car nous sommes en journée. C'est la journée, il fait jour, il y a de la lumière produite par le soleil. Tout en haut, nous pouvons voir l'emblème du bâtiment qui s'appelle Fisher. L'emblème de ce bâtiment est un poisson, mais il y a aussi un deuxième emblème qui est sur la gauche, et c'est un coquillage. Continuons. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui recouvre le bâtiment ? Du lierre recouvre le bâtiment. Le bâtiment est recouvert par du lierre sur sa quasi-totalité. Regardez derrière moi. Il y a plein de feuilles qui volent dans l'air. Le vent décroche les feuilles et j'en ai presque chopé une, j'en ai presque attrapé une. Et c'est très beau, l'automne, on peut s'amuser à pousser les feuilles comme ça sur le sol. C'est marrant, ça fait voilà, un petit peu de... un petit peu de bruit, voilà, c'est fun. Il n'y a pas assez de feuilles pour pouvoir pleinement s'amuser avec des feuilles. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la terre. Nous pouvons voir que si la terre est mouillée, elle devient de la boue. Mais bon, je vois pas de boue. Donc, je ne vois pas de boue. Donc, je ne peux pas vous montrer de boue. Qu'est-ce que c'est ? C'est une œuvre d'art. Cette œuvre d'art est faite vraisemblablement de plaques en plastique collées les unes aux autres. Cette œuvre d'art est sur un socle, vraisemblablement, c'est quoi ? Viens. C'est quoi ce socle ? Qu'est-ce que c'est ça ? Comment t'appellerais ça ? How would you call it ? You want to be part of it ? How would you call this, like this is plastic, but what is this like ? Marble. Marble, thank you. Donc,
Bonjour. Le socle est en marbre. Ceci est un socle. Le socle est rond. C'est un socle rond fait de marbre. Tout autour de l'œuvre d'art, nous pouvons voir des projecteurs. Cependant, les projecteurs ne sont pas allumés car c'est le jour. Continuons. Suivez-moi. Aujourd'hui, il fait un peu froid. Il ne fait pas très chaud. C'est pour ça que je suis habillé un peu plus chaudement. Derrière moi, on peut voir une tour. C'est une petite tour. Alors que, au fond, on peut voir des condos, de très grands condos. Sur la tour, en haut de la tour, nous pouvons voir une horloge. Quelle heure indique l'horloge? L'horloge indique 3h-10. Il est bientôt l'heure pour nous de terminer cette vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est une nouvelle vidéo. C'est encore une fois une vidéo qui a été très, très sympathique à tourner. Voilà. Donc, l'Université de Toronto, campus Saint-Michaels. Salut.